Bonjour Béatrice! Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler du jour... Le jour 6 déjà! Oh, oui, déjà! Ça passe vraiment trop vite, hein Béatrice? Ah oui, mais comme on dit, hein, quand on est en bonne compagnie, on voit pas le temps passer et on est tellement bénis d'être avec vous là! Oui. Alors, le jour 6, Dieu crée par sa parole tous les animaux de la terre. Mais attention, là, quand on dit que Dieu, il crée par sa parole, alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est le jour 1, 2, 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que les eaux se séparent et les eaux se séparent. Alors, à chaque fois que Dieu parle, la chose arrive. Wow, il est puissant, notre Dieu, hein? Tellement puissant, Béatrice. Mais est-ce que tu sais quoi? C'est que le jour 6, Dieu, par sa parole, a créé aussi autre chose. Oh oui, c'est vrai. Mais c'est une surprise, c'est à voir la semaine prochaine. Bon. Revenons à nous. Ah ben justement, le jour 6, Dieu a créé tous les animaux de la ferme comme les moutons, les vaches, et les cochons. Quink, quink, quink. Et il a aussi créé les animaux d'Afrique, comme le lion. C'est tout un lion, ça. Wow! Il a aussi créé les girafes. Et nos tout bons petits amis, les singes, qui sont tout drôles. Et les animaux de la forêt, comme les loups, les ratons laveurs avec leurs petits yeux noirs, tout mignon, et les moufettes, ça pue le pipi, les moufettes. J'aime pas les moufettes. Quoi aussi? Ah oui, les animaux d'Asie, comme le panda, L'éléphant, tout gros, tout gris. Et aussi, le tigre de Bengale. Et Dieu a aussi créé par sa parole tous les animaux de l'Australie, comme le koala, tout mignon, ou le kangourou. Oh, doing, doing, doing. Et les crocodiles. Et aussi tous les animaux de l'Amérique du Sud, comme l'alpaga, le paresseux et les serpents. Et il a aussi créé tous les animaux polaires. Comme l'ours polaire. Il fait froid là-bas. Dieu a tout créé ça par sa parole. Mais Béatrice, je te vois plus, t'es rendue où? Ah! On se voit plus! Elle est tellement grande, sa création! Oh, Dieu créateur de l'univers, je donne à toi ma vie éphémère pour vivre en parfaite communion. Ensemble à jamais, voilà ma dévotion. Tout à toi, je suis tout à toi. Captivé par ta grâce, ta création nous révèle ta face. Je choisis de suivre un seul message, celui de l'évangile qui restaure mon âme. Jésus, tu libères, tu fracasses toutes mes chaînes et mon cœur te chante. La la la, la la la.
la 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 la. Bon, alors, Béatrice, résumons le jour 5. Dieu créa tous les animaux du ciel, hein? Oui, donc les oiseaux, les animaux dans l'eau, donc tous les animaux marins, et tous les animaux sur la terre. Ouais, ça c'est le jour 6. Donc, les mammifères, les reptiles et les insectes. Oh! Est-ce que vous entendez, les amis? On entend les grillons. Oh, ils sont tout mignons. C'est tellement beau, Béatrice. Oh, oui. Mais là, Sandra, moi, je me demande, est-ce que vous, à la maison, les amis, vous avez des animaux puis vous en prenez soin? Ben moi, je pense que oui, Béatrice. Mais j'aimerais vraiment bien les voir, vos animaux. Est-ce que toi, tu veux les voir, Béatrice? Oh oui. Allons-y. Allô les enfants! Aujourd'hui, je vais vous présenter mes animaux de compagnie. Est-ce que vous les entendez? Ce sont mes poules! Venez, je vous les présente! Alors, je vous présente ici, Roquette. Et ensuite, il y en a deux autres. C'est les deux jumelles, ils sont pareils. C'est Souvlaki et Cocoda. Mon chat, c'est Mia. Bonjour, je m'appelle Maïlie, je vais vous présenter mon cochon d'Inde. Il s'appelle Watsu, c'est une petite fille et elle est très nerveuse à chaque fois qu'elle voit d'autres mondes. Je l'aime beaucoup. Allô, je m'appelle Amélia, mon cochon d'Inde, elle s'appelle Lilou. Ah. Alors, à chaque matin, les poules pondent chacun un petit coco comme ça. Moi, mes poules, elles font des œufs qui sont tout bruns. Des fois, ils sont plus gros, des fois, ils sont plus petits. Bonne journée! Les amis, c'est qui? Est-ce que vous la reconnaissez? Mais moi, je sais pas c'est qui. Ah. Oh! Oh, c'est Béatrice! Béatrice, qu'est-ce que tu fais là? Salut, Sandra. Ben oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Ben, je me suis déguisée en berger. Oh. Tiens, regarde, mon petit mammifère herbivore, tout mignon, tout doux. Est-ce que tu es flattée? Ben oui. Oh, c'est doux. Ben oui, je me suis déguisée en berger. Tu sais, Sandra, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a longtemps de ça, ben, je comprenais pas pourquoi on nous comparait à des moutons ou à des brebis. Mais en lisant sa parole, j'ai compris. Dans Jean 10, 11, c'est écrit, Jésus dit,
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, c'est Béatrice et les amis. Il est écrit aussi dans la parole, dans le psaume 23, dans l'Ancien Testament, c'est écrit « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien! » De rien, 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 rien. Quand on regarde ça, Sandra, là, et les amis, un berger, ben, ça prend soin de ses brebis. Et Jésus, dans son grand... Dans son grand... Non. Dans son grand amour, il prend soin de nous. Oui, et le berger, eh bien, ça veille sur son troupeau. En tout temps, il va le protéger des méchants loups ou même des voleurs. Jésus veille sur nous jour et nuit. Il nous protège. Oui, et le berger, il rassemble le troupeau de ses brebis. Et puis, s'il y en a une qui s'égare, eh bien, le berger va aller à sa recherche. Il va être tellement content quand il va la retrouver. Vous savez, les amis, avec Jésus, c'est la même chose. Parfois, ça nous arrive de s'éloigner du chemin, mais Dieu nous ramène toujours dans le bon chemin. Le chemin qui est parfait, tracé parfait, parfait, parfait pour nous. Et justement, c'est le berger qui guide son troupeau. Oui, Jésus, il nous guide. C'est lui qui donne la vie. Oh, c'est beau tout ça, hein? Oh oui, tellement. Merci, Seigneur. Tu es le bon berger. Amen. Amen.